Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2, la malédiction d'Osiris. Donc nous sommes sur Nessos, nous allons descendre, aller chercher le fameux petit point. Hop, et voilà, en douceur. Et commencer la cinquième mission de la malédiction d'Osiris. Voilà, hop, on est parti. Avec ce son qui me fait penser à la PS1 ou la PS2, PS2 plutôt. Plutôt PS2. C'est assez sympa. J'aime bien. J'aimais bien la mise d'introduction de la PS2, même si celui de la PS1 est juste orgasmique. Mais bon, hop, on y est. Un de mes clandestins a trouvé l'esprit enchevêtré pour vous. Ce type d'esprit Vex devrait vous fournir la puissance de traitement nécessaire. D'accord, bon bah. Génial. On va le trouver et lui prendre son cerveau. C'est parti. Je peux pas m'arrêter s'il n'y a pas de raison de m'arrêter, hein. Honnêtement. Là, vous me créez des zones de conflit. C'est mignon, hein, mais. Vous êtes absolument adorable, mais si j'ai pas de raison de m'arrêter, si le passereau suffit. Faut être honnête, hein. Apparemment, on y est, hein. C'est juste au niveau de l'arbre, donc. Même pire que ça, c'est... Ok. Ah bah oui, ça doit être là, vu que c'est des anciens... Même eux, c'est des droïdes mécanos maintenant. Ok, on a trouvé. Ah bah voilà, dommage, pourquoi on retombe sur les anciens? Sur les nouveaux? Pas sur les... Enfin, vous me comprenez? Pourquoi on retombe sur les Vex de Destiny 2 sans l'extension? C'est dommage. Je crois que nous sommes sur la bonne piste. Ces Vex étaient sûrement en patrouille ici pour une raison précise. Mm-hmm. Continuons à fouiller la zone. Oui, madame. Bon, jusque là, c'est pas trop ursuclage apparemment, Joss Alpha. Ça ne me rappelle trop rien. Peut-être que c'est un passage qui a été creusé là, sans trop de difficultés, si je puis dire. Et je parle en termes de conception du niveau. Hein. Ça ne me rappelle rien. Encore une fois, c'est les nouveaux. Là, on a un protecteur enchevêtré d'époque, si je puis dire. Enfin, du jeu de base. Mais on n'a pas beaucoup de gobelins. Possible. C'est un bug. Dites-moi que c'est un bug. Là encore, ce sont des gobelins classiques et non des gobelins de la nouvelle mise à jour, enfin de la nouvelle extension. Attention, le recyclage, vous voyez, je l'avais dit, à partir du moment où on commence à recycler, on peut plus s'arrêter. On se rend compte de la possibilité qu'on a de faire et du coup... C'est le Vex qu'il nous faut, allez le chercher. Oh. Wait. What? On va regarder la dernière. Sait-on jamais? Sur un malentendu. Bon, j'ai pu tuer un gobelin, un hobgoblin avec, donc c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Dommage. Ok, ça se passe plutôt bien. Faut que je garde un petit peu d'énergie pour les lives de cet après-midi, pour le live de cet après-midi. Hop là.
Oh, t'es autant immunisé sur une onde d'effet que sur... Ouf. Tu t'es enfoui. Ah. Ceux-là seraient bien des anciens, mais j'ai l'impression que je me trompe. S'ils avaient une couleur plus cuivrée, on va dire, hein, plus foncée. Moins brillante, moins rutilante, plus rouillée presque, j'ai envie de dire. On va voir. Peut-être qu'on s'approche d'un truc sympa. Oula, pardon. J'ai le doigt qui est lourd sur la souris. Oui, là non, ça c'est des normaux là. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu avant. Non, ah non. Mais cesse ton immunité diplomatique, là, ça ne va plus. Ah, ça fait mal, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas agréable, hein. Ça picote un peu. Hein. Super. Noyau d'espoir. C'est notre processeur. Je n'ai plus qu'à le connecter au réseau Vex. Vous êtes à proximité du puits des échos. Ah bah oui. Oui, les déchirures qui s'y trouvent devraient fonctionner. C'est joli. Ah, oh, le puits des échos, ça je connais normalement. Voilà, on est ressorti droit devant en fait. Effectivement, le puits des échos, je crois qu'on a fait une mission dedans. C'est un passage, vous allez le voir. Là, juste devant, en fait, il y a une espèce de grosse structure. Allez, monte. Et il y a un passage où il faut passer dans une petite encoche à moitié, c'est bizarre. Vous allez voir là, juste en dessous, là, il y a une espèce de. Voilà. Et voilà, c'est ça. Je crois qu'on a déjà fait une mission dedans. Peut-être pas. Il y avait quelque chose dedans, hein. Clairement, il y avait quelque chose dedans. Alors, j'ai pas gardé le truc parce que ça me semblait pas intéressant de le garder, mais. Apparemment. Bizarre, ok, cool. Je dis pas non. Wow. Arène. Non. Oh bah, j'ai pas eu trop le choix. Emmenez-moi jusqu'à la déchirure et je brancherai le processeur. Elle est un peu haute, hein. Allez, sésame, monte. Ça marche pas. Dommage. Non, j'aurais juré avoir entendu des ennemis. C'est marrant. Pourtant, j'en vois pas, c'est bizarre. Je suis étonné d'entendre des ennemis, vu que, après tout, ils sont inexistants. Vous en voyez, vous, des ennemis? C'est dalle, hein. Ah bah je sens que je vais en voir maintenant. Ça m'apprendra à me foutre de votre gueule, tiens. Oh, il me manque 3 cm. Ah, allez. Là tu peux pas me dire que tu te l'es pas bouffé. Ah bah cool, c'était le monstre à voir apparemment. J'espère que ça va marcher. L'homme à abattre. Hop, vas-y, analyse. Mauvaise nouvelle. Le professeur a grillé. Bien. Je reçois une image, mais aucune coordonnée. Je commence à être à court d'idées. Nous sommes tellement concentrés sur la menace posée par le futur. C'est comme la 1082, Railgun. En trouvant le code qui a créé Panoptes, vous pourriez utiliser la forêt infinie contre les Vex. Oui. On retourne au point d'origine de Panoptes, on accélère le temps, et on utilise ces données-là pour trouver son emplacement dans le présent. Bien joué, Ikora. Mission terminée. Vous réalisez même d'ingéniosité avec Osiris, là. En 10 minutes. Vous savez, vous n'êtes pas la même Ikora que celle dont je me souviens. Vous êtes meilleur. Eh ben, vous voyez, pour 10 minutes de mission, je trouve ça, encore une fois, pas terrible. Hein. 10 minutes, c'est beaucoup trop court. Donc,
On va quand même aller vérifier l'engramme qu'on a tombé, pardon. Qu'est-ce que... Ah, attendez, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Ça se fait tout seul. On atterrit automatiquement sur Mercure. Bon bah, on va enchaîner. Ok. Ça a le mérite d'être rapide. Utilisons la forêt infinie contre les Vex. Ou ce sera la fin de tout. What? C'est le discours d'une fin, ça, de fin de DLC, ça. Non, t'es pas sérieux. Mais trouver une simulation correspondant au bon moment est compliqué. Très bien. Trouvez l'algorithme qui a créé la forêt. Ça vous permettra de localiser Panoptes. Putain, si c'est que ça. Et encore, là, je me bats pour la forme. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Alors là, je suis extrêmement inquiet. Les Vex défendront bec et ongle cette simulation. Cet instant historique où vous inventez un générateur de réalité, je vois pas ce qui pourrait être plus important. Là, je m'inquiète vraiment énormément. Là, franchement, ça semble être la fin. Ce qui, selon moi, est littéralement une insulte aux joueurs. On vend pas ça 20€. Que ce soit bien clair. En fait, c'est ça. Ils ont vendu 20€ la possibilité de continuer à jouer au jeu. C'est ça, en fait. C'est extrêmement triste. Et je pense que c'est ça, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont vendu 20€ la possibilité de continuer à avoir accès aux mises à jour. Hein. Waouh. Tu viens pas? Sésame, me déçois pas. Là, je suis désolé parce que là, c'est... Regardez, on était censé avoir un défi à chaque chemin et là, il suffit d'ouvrir la porte pour terminer le défi. C'était quoi ce bordel? Oh, mon dieu. Mon dieu, je m'inquiète. Là, franchement. Là, j'ai mal. Là, franchement, j'ai un peu mal au cul. Si ça se termine sur ça. Sésame, fais pas le con. Il y a un chemin qui m'emmène directement à la porte, quoi. Regardez, le combat est anecdotique. Hop les... C'est fini. Sésame. Bah dépêche-toi. Non, là je suis désolé, c'est pas normal. Là... Je veux dire, il y a des gens qui sont déçus du jeu et la première extension, bah, déçoit ceux qui ne l'étaient plus. Ceux qui ne l'étaient pas ou qui ne l'étaient pas plus ou pas encore. Enfin... Ils ont misé sur quoi? La hype de voir Osiris? Waouh, Osiris! On l'aimait trop ce personnage, alors on le remet? C'est quoi? C'est la mode World of Warcraft du... bon, le personnage préféré des anciens joueurs de WoW, c'était Illidan. Du coup, on crée la classe Illidan. C'est la classe chasseur de démons, mais moi j'appelle ça la classe Illidan parce que voilà, c'était pour attirer les joueurs. Est-ce que c'est ça ou... Les Vex ont toujours eu deux longueurs d'avance sur tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Mais Ikora et vous nous avez offert une chance de les surprendre, pour une fois. Impressionnant. En gros, ce que je veux dire,
c'est qu'être votre spectre va peut-être un tout petit peu me manquer quand tout ça sera fini. Là-bas, mon spectre à moi me manque. Très bien. Il m'a pas parlé de toute l'extension. Et télécharger l'algorithme avant que les Vex ne puissent créer les voilà un truc sympa. Ils sont en or, c'est stylé. C'est un simple, c'est un détail ridicule. Mais c'est stylé. Enfin, je veux dire, il suffit de pas grand chose. Parfois. Vous pouvez pas miser simplement sur un reskin de tous les ennemis. Mais enfin, tu me diras, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Mais sur des reskins, enfin, je veux dire, sur un simplement changement de couleur. Ça peut pas refaire toute l'extension, je veux dire, mais sur le principe, c'est pas mal. C'est déjà ça. Donc. Oh, ça semble tellement être un aspect final. Je suis désolé, moi, ça me. Vous vous souvenez quand je vous disais que ça me stresse. On peut pas faire un DLC sur ça, c'est pas possible. Ouh, vous êtes stylé, par contre. Vous êtes exactement les mêmes. Vous êtes stylé. Ah, je suis désolé, je suis extrêmement inquiet. Hein. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Je te pète. Nous devrions couper l'alimentation de cette barrière. Deux secondes, je recharge. Tout se passe exactement comme prévu. Ils nous attendaient de pied ferme. Il ne nous reste plus qu'à forcer le passage. Je m'inquiète. Je suis désolé, je m'inquiète énormément, mais... Quelque chose me dit que c'est pas... Que c'est fondé. Oh, le gobelin précurseur qui est stylé. Qui a pas de PV mais qui est stylé. Enfin, je veux dire, regardez, il y a certains trucs comme ça qui ont plus de PV qu'un gobelin. Oh pardon, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Honnêtement, je l'avais pas vu. On va faire ça comme ça. Non, tu peux pas me faire ça. T'es solide toi par contre. Allez. Non, c'est pas la grenade qui l'a explosé, hein, si je puis dire. Enfin bon. C'est parti. Bonjour. Ok, il est protégé. Il est protégé. C'est ça. Okay, cool. Ça valait pas un dernier tir, mais... Je l'ai fait par plaisir. Oula. J'ai cru voir des munitions. Voilà, ici. Oui, j'aurais peut-être dû faire un dash. C'était suffisamment nombreux pour. Voilà. Ça ressemble à la fin. Hein. Ça ressemble à une fin. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça c'est très joli. Là je reconnais un petit peu la patte, c'est cool. L'aspect mécanique est à la fois extrêmement purifié. C'est un truc que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Ah, mais qu'est-ce que... Mais vous avez 3 minutes de retard. Bah oui, c'était là, c'était quand j'étais en bas qu'il fallait les lancer. Fallait qu'ils apparaissent ou qu'ils soient apparus quand j'étais en bas. Ne soyez pas décevant pour être décevant, c'est pas bon. Être décevant, c'est pas une bonne chose. Vous êtes au courant Ah.
Ça m'inquiète. Je suis anxieux. Je suis anxieux vis-à-vis des 20, enfin, des 20 euros que certaines personnes vont mettre dans le jeu. En plus, alors que finalement, ça ne valait pas le coup. Et il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont bridées de la version originale du jeu à l'heure actuelle. C'est même pas toi le vrai ennemi en fait. Le vrai ennemi, c'est les Minotaurs qui étaient planqués derrière toi. Voilà, ça c'était un ennemi, limite. Ça peut paraître méchant, mais... Pourtant c'est le cas, hein. Ah non, c'est pas par là, je croyais qu'il fallait que j'aille là-bas. À cause du... Oh, attendez, il y a encore des munitions puissantes. Hop, voilà. Ok. Voilà, suivant. Nous y sommes. Allons jusqu'au sommet pour y trouver l'algorithme. Oui, chef. Je trouve qu'elle est, elle est quand même plus agréable qu'Ikora. Écoutez, hein, quand elle a beau donner des ordres, elle est plus agréable. Ikora est une vraie plaie à entendre quand elle donne des ordres. J'ai pas du tout apprécié sa planète. Hein. Sur Yo. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai même carrément une mauvaise... J'aime pas Yo en fait. Presque. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais je la trouve... Je trouve pas ces événements intéressants, ce genre de choses, quoi. C'est les mêmes, quoi, que partout. Voilà, t'es tout seul, bonhomme, hein. Je sais pas si tu t'en es rendu compte de ça, d'un seul coup, mais... Ah, il fuit. Ça, c'est bon. C'est ça qui est bon, t'as tout compris. Ah bah, qui pensait devoir monter tout à pied. Ah non, bah j'allais vous foncer dessus, mais en fait, je vais me retenir. C'est quoi? Ils sont en retard, ils sont en retard, ils sont en retard. Voilà, ils sont faits pour apparaître dans mon dos. Parce que je suis trop habitué au jeu, peut-être aussi. Oui, je t'ai vu avec ton... Une autre ici. Une autre de bouclier. Une autre à bouclier. D'accord, okay. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Je vais immuniser, mais je continue. C'est. Why not? Ok, ça se passe plutôt bien, hein. Peut-être pas beaucoup de bleus qui tombent. Un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu radin en termes d'équipement pour l'instant. Mais bizarrement, quand la mode du farm, vous savez, quand on a commencé à farmer les composants pour l'extension, ils ont balancé un truc dans leur, vous savez, dans leur espèce de patch note pour dire ce qui allait arriver de bien, de génial. Ils ont balancé un truc expliquant qu'ils allaient augmenter les prix entre guillemets des chons, des différents jetons et des différents équipes, enfin des différentes ressources consommables à utiliser pour justement grappiller ces choses, grappiller les engrammes pour nous permettre de monter. Donc, sur le principe, je veux bien qu'il augmente, mais on a tous compris que dans 15 jours ça va redescendre, et si ce n'est pas plus vite, et que c'était uniquement fait pour éviter qu'on rush encore plus vite le truc, quoi. Parce que là, franchement, je vais avoir terminé le DLC en une matinée, quoi. C'est. Et encore, j'ai pris le temps de me téléporter, j'ai téléchargé les drivers. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être que je me trompe. Faut que je fasse quoi? Que je le pète? C'est ça ton sabotage? Détruisons cette machine. Sabotage! Laquelle qu'on détruit? Ok. La la la. Oh, oh, je l'ai raté. Honte sur moi.
Vais-je mourir? Mais non. Héron, héron, petit patapon. Oh. Petit joueur. Oh, oh, droit dans l'œil, quoi. Ah, ah, tu te protèges, bien. Soit. J'ai vu qu'il a réveillé quelqu'un. Merci pour les munitions. Oh, bonjour. Vous êtes des... D'accord, des élites. Why not? Bouf! Oh, t'es précis, dis donc, ouais. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ouais, alors qu'est-ce qui vient d'arriver à mon missile? Là, j'ai besoin de savoir. Qu'on soit d'accord, il s'est passé quoi? C'est parce qu'il y a un pauvre machin qui est apparu juste devant? Moi j'attendais que mon missile me dise « Bah non, c'est bon, t'as réussi Marcus. T'as touché. T'es sûr que t'as touché Marcus. » Wow. Fais pas de bruit toi par contre. Oula, oui j'ai pensé à être viré du truc, on va dire. Raté. Un peu moins loin, j'ai décidé d'attendre un petit peu plus. Voilà, fin du boss. Bon, je suis mort, c'est déjà ça, je suis mort une fois. C'est pas une mauvaise chose. Nous avons réussi. Tête qui roule la masse pamousse. Du coup. Eh. T'as de beaux yeux, t'as un bel œil, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme blague? T'as le compas dans l'œil? Hein? T'es resté sur place. Oh! Oui! 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 C'est ça qui est bon. Du coup, je fais quoi? Ok. J'ai eu peur que tu me dises, ah bah tu l'as acheté là-bas, faut que t'ailles le chercher maintenant. Ok, why not? Un autre téléporteur. Bon, c'était pas le gros boss, donc c'était pas, vous savez, voilà, le problème c'est ça. C'est qu'on a, même pas retenu le nom du mec, Bingo. C'est parti, allons-y. Analyse en cours, isolement des motifs de Panoptès. Panoptès. Superposition sur la carte. Et voilà, on tient. Panoptès finit toujours par se retrouver aux mêmes coordonnées. C'en est fini de lui. C'est comme ça que nous allons battre les Vex. J'ai détecté un changement. Un nouveau futur. Je vais en informer Osiris. Tu veux dire que je me suis démerdé pour te créer un nouveau futur et que toi tu l'as juste détecté et je vais en informer. Une routine défensive. De nouvelles branches de la réalité sont en train de se former. Non, non. Ah, mais... Ah. Qu'est-ce que... Mais... Il n'y avait même pas l'apparition du spectre. Il n'y avait même pas la forme. Où sommes-nous? Sur Mercure? Comment est-ce possible? La dernière chose dont je me souviens, c'est que nous étions dans la ZME. Nous avons trouvé cet appareil et puis... Ah oui, t'as tout oublié. Je me sens tout bizarre. C'est comme si quelqu'un avait tout chamboulé dans mon esprit. C'est un peu ça, effectivement. Allez, on y va. Bon, écoutez, je n'ai jamais pensé que je devrais poser cette question un jour, mais qui d'autre est entré dans ma tête? Accès à la mémoire principale. Ah, vous avez été très occupé. Rectification, vous avez été très occupé sans moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Bien. Mais non. Ah oui, sans... Attendez une seconde. Il y a autre chose ici avec moi. Et moi, je me casse le cul. Des hologrammes chiffrés. Énormes.
et Vex. On peut plus passer. Impossible de déchiffrer ces fichiers ou d'ouvrir ce portail. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'Ikora. C'est une bonne idée, non? Pas besoin de me remercier. Mais pourquoi je viens de dire ça? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. La fausse fin. Je vais l'appeler comme ça, par principe. Je vais l'appeler la fausse fin pour cet épisode qui finalement aura une durée plus que correcte. Et je vais continuer à tourner derrière. Hop. Ok, cool. Du coup, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rentrez dans le clan si vous ne l'avez pas fait, si vous souhaitez retrouver un clan. Et moi, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. Salut les gens et yo!